Allô les amis, c'est votre frère Coco Kinga. Je suis très content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Aujourd'hui nous allons parler et prier ensemble. Alors je choisis un peu de parler sur l'amour de Dieu. Nous allons parler prier sur l'amour de Dieu et la prédication de ce soir c'est plutôt à brancher sur le sujet uh, d'amener l'onction de Dieu dans les ondes. Parce que bien que nous ne pouvons pas être ensemble dans les églises comme nous avons habité de l'être, mais même si nous sommes dans les ondes comme ça, on peut toujours partager la parole de Dieu d'une façon ou comme on a été de la partager, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est en train de sortir et la puissance de Dieu et à mesure de toucher plusieurs gens. Voilà un peu l'idée de la parole d'aujourd'hui. Nous allons lire dans nos livres. Je vais simplement prendre l'écriture de Jean 3, 16, où la Bible nous dit que la Bible nous dit la Bible nous parle de l'amour de Dieu et la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous allons prier pour commencer. Oh Yahweh, Papa, nous bénissons ton nom pour ce temps. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes de partager ta parole ensemble. Nous sommes en train de partager ta parole parce que tu es avec nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de croire que l'onction de l'esprit l'onction de l'esprit va être avec nous l'onction de la puissance va être avec nous l'onction de la puissance de Dieu l'onction de Dieu va être parmi nous et nous allons voir la grande victoire de Jésus dans tout ce que nous sommes en train de faire dans tout ce que nous sommes en train de faire je suis en train de croire en ce moment que dans tout ce que nous sommes en train de faire nous allons voir la grande victoire de Jésus Oh Yahweh, nous te disons merci, nous te disons merci. Oui, comme je le disais euh, avant de commencer, que nous sommes en train de voir aujourd'hui l'amour de Dieu, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, l'amour que Dieu a dans son cœur, c'est cet amour que Dieu nous amène, c'est quelque chose que Dieu envoie vers nous. Si Dieu a accepté de nous envoyer son amour en donnant son fils unique Jésus-Christ, que nous avons vu Jésus mourir à la croix. Si Jésus était mort à la croix pour nous, pour nos péchés, cela montre le niveau de l'amour de Dieu. C'est ce que nous devons avoir dans nos têtes comme enfants de Dieu, le niveau de l'amour de Dieu, que Dieu nous a aimés au niveau de donner son fils. Alors, qui peut donner son enfant pour quelqu'un? Qui peut accepter de dire que, ok, vous, bonjour, je vous aime beaucoup, je vais donner mon enfant pour vous? Personne va le faire. Personne. La Bible quelque part nous dit que personne va accepter de mourir pour injuste. Mais à combien plus forte raison que quand on était encore de pécheurs, Dieu a donné son fils unique pour que puisse mourir pour nous et c'est la mort de la croix c'était pas une mort là normale naturelle qui est bon il est il est il est mort non 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 c'était la mort à la croix et la mort à la croix c'était la mort de la souffrance que Jésus-Christ a souffert à la croix donc quand il était à la croix il n'était pas en train de pique-niquer alors pourquoi c'est important aujourd'hui c'est important pour nous si nous voulons capter ce que Dieu a pour nous. Dieu a beaucoup de choses pour nous. Alors, si ces choses ne se manifestent pas dans nos vies, c'est numéro un, c'est parce que nous sommes un peu loin de cet amour de Dieu. La plupart d'entre nous, quand nous nous présentons encore devant chez Dieu, nous avons ces questions. Est-ce que Dieu va me recevoir est-ce que je suis digne d'entrer dans la maison de Dieu? Est-ce que j'ai le droit d'entrer dans la maison de Dieu? Est-ce que je veux bien marcher? Oh, oh, toi, tu arrives à un niveau où toi-même, d'abord, tu prends ton cahier où tu écris les mauvaises choses que tu as fait et puis tu écris les bonnes choses que tu as fait. Tu commences à faire des calculs, que tu fais de calculs pour savoir si tu as bien marché ou si tu n'as pas bien marché. Mais aujourd'hui, je veux que cette écriture puisse être avec nous. Parce que cette écriture, si tu as été chrétien comme, les, euh, comme beaucoup de gens qui, quand même on était enfants, nos parents nous forçaient à partir à l'église, cette écriture, on connaît ça déjà. C'est que quand quelqu'un dit Jean 3, 16, tout le monde peut dire ça à la bouche. Alors, on connaît, on a mémorisé cette écriture, mais maintenant, la puissance qui vient de cette écriture, on n'a pas connu ça. On a, on a mémorisé l'écriture sans toucher la puissance. Voilà un peu pourquoi je suis en train de partager cette écriture aujourd'hui. Parce que ce qui m'intéresse moi, ce n'est pas mémoriser les écritures. Ce qui m'intéresse moi, ce n'est pas beaucoup de débats sur la parole de Dieu. Que celui-ci prêche bien, celui-ci ne prêche pas bien, celui-ci a des révélations, celui-ci n'a pas des révélations. Ces choses-là... Ce n'est pas mon intérêt, surtout pour ce soir. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est la puissance de Dieu. Parce que chaque écriture de Dieu est remplie de la puissance de Dieu. Alors, c'est la puissance de Dieu que nous voulons voir. S'il si y a le problème dans la vie de beaucoup de gens, c'est parce que la puissance n'arrive pas à entrer pour délivrer les gens. Alors si toi-même tu n'es pas à mesure de recevoir la puissance de Dieu, la puissance que Dieu a mis dans chaque parole, chaque parole de Dieu est remplie de puissance. Alors si tu n'arrives pas à capter la puissance de Dieu qui vient dans chaque parole de Dieu, tu seras dans beaucoup de troubles. Tu peux mémoriser les écritures. Tu peux mémoriser les écritures, mais la puissance ne pourra pas être là. Imagine toi que on t'enferme en prison pendant 15 jours et pendant que tu es en prison, on t'envoie le le photo de McDonald's. Et tu es en train de regarder les photos de McDonald's, les photos de KFC, les photos de Nando's. Tu es en train de regarder ces photos. Et ou bien, pendant que tu es en prison, tu es en train de te, de te souvenir de tout le temps que tu as passé dans des restaurants. Alors, comment et combien rassasié tu seras si tu fais ça? Voilà un peu pourquoi je suis en train de dire que je ne suis pas trop intéressé à ce que nous pouvons mémoriser et à ce que nous ne pouvons pas mémoriser. Mais mon intérêt est plutôt pour nous de voir qu'il y a la puissance dans ce que Dieu nous a dit. Chaque parole de Dieu est remplie de puissance. Alors chaque fois que tu es en train d'examiner la parole de Dieu, Dieu lui-même, Veux que tu puisses voir la puissance qui est dans chaque parole. Chaque écriture dans la Bible est une écriture qui est enveloppée dans la gloire. Alors, il y a la puissance de Dieu que Dieu a cachée dans l'évangile. Maintenant, cette puissance-là, si tu n'arrives pas à faire sortir la puissance de Dieu, dans chaque écriture que tu lis, dans chaque parole de Dieu que tu écoutes, tu peux faire 150 jours ou bien 150 ans à l'église et tu vois toujours en train d'attendre, de dire quand est-ce que Dieu va me visiter Quand est-ce que je veux voir la puissance Vous êtes en train de suivre. Voilà pourquoi j'ai choisi cette écriture. Cette écriture de Jean 3,16 peut nous sembler facile. Parce que nous avons mémorisé, mais il y a la puissance dans ce que Dieu nous a dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Vous voyez, le plan qu'on appelle le plan du salut. C'est un plan que Dieu avait dans son cœur. Avant que Dieu puisse créer le ciel et la terre, Dieu avait ses plans du salut. Que si quelque chose se passe dans la vie d'Adam et Ève, ou bien dans la vie de leurs enfants, moi, Dieu, je serai là pour fixer le problème. Donc, c'est de là où vient d'abord cette écriture. Que Dieu avait avec lui le plan de sauver l'humanité. Avant que Dieu commence à créer. Il avait déjà la solution à tous les problèmes. Voilà pourquoi il avait réservé. Rappelez-vous dans le livre de Révélation, quand Jean regarde, il regarde, il voit l'agneau, il dit que j'ai vu comme un agneau qui a été un agneau comme immolé dès avant la fondation du ciel et de la terre. Voilà où le plan. Du salut a été préparé par notre Dieu. Alors, Dieu a préparé ses plans avant la création du ciel et de la terre. Il avait un enfant, son fils unique, et il a dit S'il si y a un problème dans ses plans, je vais envoyer mon enfant et mon enfant va fixer le problème. Alors, Dieu, en ayant le plan du salut, le plan qui va racheter les hommes du péché. Ces plans ici. Je veux que tu saches aujourd'hui. Qu'il y a possibilité. Que le plan pouvait échouer. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là. Quand Dieu a donné Jésus. C'était un risque. C'était pas un jeu que. Ouais c'est Jésus je l'envoie. C'est fini. Non. Dieu a pris un risque quand il a envoyé Jésus dans ce monde. Il est possible que Jésus pouvait tomber aux tentations. Quand Satan est venu tenter Jésus, Jésus, le Fils unique de Dieu, pouvait tomber dans la tentation. Et si Jésus avait péché contre Dieu, dans la tentation, comme Adam a péché, Dieu allait perdre son fils. Vous êtes en train de suivre. Si Jésus n'avait pas reçu la mission que le papa lui avait donnée, Jésus allait aussi perdre. Alors, pour éviter cela, d'abord, je vous dis que le risque que Dieu a pris, c'est un risque d'amour. Parce que Dieu a aimé, il a dit que, ouais, je vais prendre ce risque. Parce que j'aime l'homme. Que l'homme qu'il a créé, Dieu a dit que non, cet homme, je l'aime. Alors, je vais prendre ce risque pour entrer et le sauver. Voilà comment Dieu a pris le risque. Alors, pourquoi je suis en train de parler de ça? Je suis en train de parler pour ça, sur ça, d'abord pour vous dire que quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé son, son homme Adam et il a créé sa femme Ève. C'était quelque chose, c'était un plan de Dieu. Et quand Dieu les a mis dans le jardin, Dieu les a perdus par le péché. Quand Adam a péché, Bien que Dieu l'aimait beaucoup, Dieu ne pouvait plus venir le toucher ou l'embrasser. Dieu ne pouvait plus venir vers sa créature pour dire que, oh Adam, tu as péché, mais je t'aime beaucoup. Non, l'amour de Dieu ne pouvait plus venir embrasser Adam. Imaginez-vous que Adam, quand il a péché, il est parti, il s'est caché. Il s'est caché parce que le péché qu'il avait pris, le péché qui était entre en lui, était devenu maintenant à mesure de pouvoir le tuer, de pouvoir les détruire. Alors, le péché ne peut pas se connecter à Dieu. Si Adam, dans son péché, Dieu était venu vers lui pour les toucher, Adam allait mourir. Et mourir pour toujours. Parce que Dieu, c'est un grand feu. Voilà comment Dieu... A perdu dieu a perdu son homme adam qu'il avait créé alors le quand satan est venu parler à à à jésus christ pour qu'on appelle ça tentation il devait avoir la possibilité de jésus de tomber alors c'est pourquoi on appelle ça tentation si jésus christ ne pouvait pas tomber. Si c'était impossible à Jésus de tomber, alors Satan n'allait même pas venir les tenter. Il allait se dire que, bon, pourquoi aller les tenter Il ne peut pas tomber. Alors pourquoi utiliser ma tentation Pourquoi appeler ça tentation Alors la Bible nous dit que, comme un homme, Jésus-Christ aussi a été tenté. Mais la tentation n'a rien fait sur lui. Le, le les mauvais écriture que Satan a imaginé pour venir attaquer Jésus-Christ avec ça, pour le faire tomber, ça a, ça a échoué. Voilà. Premier point pour cette écriture que Dieu a tant aimé le monde. Quand on nous dit que Dieu a donné son fils unique, hein, c'est à nous de regarder et de voir que le plan du salut que Dieu a donné Jésus, était un plan comme on peut dire que ça pouvait échouer. Quand Jésus-Christ, on était en train de le clouer à la croix, ça pouvait faire mal à Jésus et Jésus allait insulter. On appelle la croix comment On dit que, que c'est la honte. La croix, c'est la honte. Jésus-Christ a regardé la honte. Mourir à la croix, c'est une honte. On l'a pris, d'abord, on l'a fouetté, on a levé ses habits et on l'a fait marcher dans, la, dans, dans Jérusalem. On l'a mené dehors, là où on jette les poubelles, c'est là où on est parti les clouer. Et Jésus-Christ, je vais vous dire qu'une chose, que quand Jésus-Christ mourait à la croix, il est mort nu. Il n'était pas habillé comme on nous montre dans, dans beaucoup de photos. Non, il était vraiment nu. Il est mort nu, ses habits ont été pris. Alors, cette mort-là de Jésus, quand Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il est mort pour nous à la croix, quand on comprend cette chose-là, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que si Dieu nous a donné Jésus-Christ, que Jésus-Christ puisse mourir pour nous. À combien plus forte raison Dieu va nous donner l'esprit? Si Dieu a accepté de nous de donner Jésus, que Jésus-Christ puisse mourir pour nous, à combien plus forte raison Dieu va nous donner l'esprit? Ça veut dire quoi, l'esprit, quand la Bible dit que Dieu va nous donner l'esprit? Dieu, quand il, on nous parle de l'esprit dans la Bible, il faut regarder d'abord au commencement. Que Dieu, on nous dit que l'esprit était en train de, 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 de tourner sur l'eau, sur le sur le, dans le vide. Mais l'esprit était en haut de tout. L'esprit de Dieu était en train de planer. Alors, pendant qu'il il y avait le chaos, pendant qu'il y avait le ténèbre. Pendant qu'il y avait toutes ces mauvaises choses qu'il pouvait avoir, l'Esprit de Dieu était là. Alors quand la Bible nous dit que Dieu va nous donner l'Esprit, ça veut dire que Dieu va nous donner l'instrument de la force, la puissance de Dieu. Rappelez-vous, quand on parle de Jérusalem, on nous dit que toi, montagne, tu seras aplani. On dit, pas par la force, pas par le muscle, mais par l'Esprit de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du commencement. L'Esprit qui a créé le ciel et la terre. Quand Dieu disait que la lumière soit, c'est l'Esprit de Dieu qui allait et produisait la lumière. Quand Dieu disait que, que les arbres puissent sortir de la terre, c'est la puissance de l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'énergie de Dieu qui allait faire tout le travail. Voilà pourquoi ce soir, je suis en train de te dire que Dieu nous a aimés et il nous a aimés beaucoup et dans cet amour de Dieu, il est à mesure de nous donner l'Esprit. Et l'Esprit, c'est quoi Si vous regardez le ministère de Jésus, quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, la Bible elle nous dit que Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, dans le livre de Luc 4, 16-17, il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Que Dieu m'a oint. Il m'a oint. Dieu a donné l'Esprit à Jésus pour faire tout son travail. Alors dans ta vie, dans ta vie, si tu as besoin, de voir quelque chose bouger dans ta vie. S'il y a les montagnes dans ta vie, s'il y a des collines dans ta vie, s'il y a des blocages dans ta vie, s'il y a des démons dans ta vie, je suis en train de te dire cette chose aujourd'hui, que Jésus a dit que Dieu a mis l'esprit sur lui, que l'esprit qui était sur Jésus était l'esprit qui était fort, qui était à mesure de bouger les montagnes. L'Esprit de Dieu était en mesure de bouger les montagnes. L'Esprit de Dieu peut tout faire. Le ciel et la terre a été mis en place par l'Esprit de Dieu. Et voilà que quand Jésus-Christ a fait son travail, il dit que tout est accompli. Et il nous a dit qu'une chose, que nous aussi, on peut recevoir l'Esprit toi aussi tu peux recevoir l'esprit l'esprit de dieu peut venir sur toi l'esprit du seigneur peut te toucher l'esprit du grand roi peut descendre sur toi la bible nous dit là où il y a l'esprit de dieu il y a la liberté parce que l'esprit de dieu ne peut pas être prisonnier non Personne ne peut arrêter l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est un vent. Personne ne peut venir avec de chaînes pour mettre devant l'Esprit de Dieu et dire que toi, Esprit de Dieu, tu ne vas pas passer. Impossible. L'Esprit du Seigneur est l'esprit fort. L'Esprit du Seigneur est l'esprit de la liberté. L'esprit du Seigneur est l'esprit qui brise tout. Tout. Le chêne hein, ne peut pas se tenir devant l'esprit de Dieu. Non, il n'y a pas de blocage qui peut se tenir devant Dieu. Alors, tu vas te demander qui suis-je pour que Dieu puisse me donner son esprit? Ouais, je vais te dire qui tu es. Dieu t'aime beaucoup. C'est l'écriture qu'on a lu aujourd'hui. Que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus Christ. Enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si tu te demandes encore qui suis-je pour que l'Esprit de Dieu puisse venir sur moi? Je suis en train de te dire qui tu es. Dieu, tu es, tu as été créé par Dieu, et Dieu t'aime beaucoup. La parole de Dieu. Ce n'est pas une histoire de débat. La parole de Dieu, ce n'est pas une histoire de discussion. Mais la parole de Dieu, c'est une histoire de puissance. Dans chaque écriture de la parole de Dieu, il y a la puissance. Dans l'écriture que nous sommes en train de voir aujourd'hui, Jean 3, 16, c'est une écriture qu'on ne doit pas seulement mémoriser. Non. Ce n'est pas une écriture de seulement mémoriser. Non, c'est une écriture qui est en train de te dire que Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Quelle que soit la situation dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans ta vie, Dieu t'aime beaucoup. Parce que Dieu t'aime beaucoup. Et si tu crois en lui, oui, si tu crois en lui, il va faire descendre son esprit sur toi. Quand l'esprit de Dieu descend sur toi, je t'ai dit mon frère, je t'ai dit ma soeur, quand l'esprit de Dieu descend sur toi, rien de Satan ne pourra te tenir. Tout ce que Satan peut faire, c'est te mentir. Tout ce que Satan peut faire, tout le piège de Satan, sont le piège que Satan fait. Sur les enfants de Dieu par mensonge. Si tu ne sais pas, Satan peut te mentir. Le plus gros mensonge de Satan, c'est le mensonge que Satan a dit à Ève dans le jardin. Satan est venu à Ève. La Bible nous dit que Dieu a créé Adam et sa femme dans son image. Et Satan est venu chez Ève pour dire à Ève Si tu manges. Cet fruit, tu vas être comme Dieu. Pendant que Dieu les avait déjà créés à son image. Alors, Ève, quand elle a regardé le fruit, maintenant, elle croyait que si elle fait les efforts, elle va plaire Dieu. Elle pensait que si je mange le fruit, je veux devenir comme Dieu. Mais c'était un gros mensonge. Parce que la Bible nous dit que Dieu... Les a créé à son image. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu s'intéresse à toi. Parce qu'il t'a fait à son image. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es, tu es la créature de Dieu. Et Dieu t'aime beaucoup. Tu es le bien-aimé de Dieu. Alors si tu es le bien-aimé de Dieu, Dieu a donné Jésus pour toi. Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus est mort à la croix pour toi. Et il est mort et ressuscité. Alors si il est mort et ressuscité, Dieu peut te donner tout le reste en Jésus. La chose numéro un, comme je disais, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit du commencement. Quand l'Esprit du Seigneur vient sur toi, tu reprends ta position première. L'Esprit de Dieu vient sur toi pour réparer ta vie. Tout ce que le méchant a volé, l'Esprit du Seigneur vient le réparer en toi. Ton identité. La confusion, le mensonge que Satan amène dans la vie de Jean, par la touchée de l'Esprit du Seigneur, les choses sont réparées. L'Esprit de Dieu vient pour te réparer. Quand tu es réparé par l'Esprit du Seigneur, la Bible nous dit quelque part que aucune arme forgée contre toi sera sans effet. Tout ce que l'ennemi peut préparer contre toi ne pourra pas reçu. C'est le travail de l'Esprit du Seigneur sur toi. Depuis le commencement du ciel et de la terre, Satan n'a pas pu créer quelque chose qui peut détruire la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est cette vie qui est dans l'Esprit du Seigneur. Quand l'Esprit du Seigneur descend sur toi, c'est la vie de Dieu qui commence en toi. Alors voilà pourquoi j'ai voulu partager ces choses avec toi. Pour que même quand on prie ensemble, tu puisses comprendre de quoi nous sommes en train de prier. J'ai le droit de prier avec toi. Je le droit de prier pour toi. Pour te dire, pour te dire que l'Esprit du Seigneur, l'esprit du Seigneur peut venir sur toi pour te donner la force. L'esprit du Seigneur peut venir sur toi pour te donner la force. Maintenant, il faut pas dire que tu n'es pas digne de recevoir l'esprit de Dieu. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux et c'est archi faux. C'est les mensonges de Satan. Si tu étais le seul dans ce monde ici. Dieu allait venir mourir encore pour toi. Pour que tu puisses être sauvé. Dieu t'aime toi. Toi, tu es la personne que Dieu aime beaucoup. Si Dieu t'aime beaucoup, il est en mesure de te donner l'esprit. C'est dans l'esprit du Seigneur qu'il y a la délivrance. C'est dans l'esprit du Seigneur qu'il y a la vie. C'est dans l'esprit du Seigneur qu'il y a la force. C'est dans l'esprit du Seigneur qu'il y a la vie et la résurrection. Je vous dis une chose, que quand Jésus-Christ a commencé son ministère, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir le malade. Il m'a envoyé. Pour guérir le cœur brisé, il m'a envoyé pour faire sortir les prisonniers des prisons et pour annoncer une bonne nouvelle. Voilà ce que Jésus-Christ nous dit dans les livres de Luc 4, 16, 17, 18 que l'esprit était sur lui. Pour guérir le malade. Alors, c'est ça le travail de l'esprit. Quand Jésus-Christ est parti au ciel, l'esprit n'est pas parti au ciel avec lui. L'esprit de Dieu est resté ici sur la terre. Nous avons l'esprit. Voilà aujourd'hui. Je veux d'abord, d'abord, je voulais partager d'abord ces choses avec toi. Pour que maintenant, ensemble, nous puissions prier une prière qui est en train d'ouvrir le porte une prière qui est en train d'envoyer l'esprit du Seigneur dans le monde dans toute communication ce n'est pas parce que la bible nous dit que il n'y a pas de distance dans l'esprit dans l'esprit dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Nous pouvons être séparés. Nous pouvons être en communication comme nous le faisons maintenant. Sur Facebook, nous pouvons être en communication comme nous sommes en train de le faire maintenant. Sur YouTube, nous pouvons être en communication et c'est en distance. Mais il n'y a pas de distance en esprit. En esprit... Nous sommes tous dans un même endroit. Et la puissance de l'esprit, voilà ce que je veux maintenant passer à cet temps où nous sommes en train de libérer le captif. C'est le temps de libération des captifs. Et tu peux te demander, comment est-ce qu'on va libérer les captifs Oui, ce n'est pas par le muscle. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la force de l'esprit. Rien ne peut résister l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur, c'est le vent. C'est le vent qui ne peut pas être chez Tabo L'esprit du Seigneur est le vent qui ne peut pas être bloqué. L'esprit du Seigneur est le vent qui ne peut pas être bloqué. En ce moment, nous sommes en train de prier ensemble. Je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu sois prêt et que tu pries avec moi. Tu demandes à, à ces que demande à ce moment que l'esprit du Seigneur, l'esprit du Seigneur puisse toucher ta vie. En ce moment, tu vas prier. Priez avec moi. Demande que l'Esprit du Seigneur puisse toucher ta vie. En ce moment, nous allons prier ensemble. C'est une prière l'esprit de dieu vient toucher ses enfants oh ha karama romoko par l'esprit du seigneur nous sommes en train de confesser en ce moment la liberté l'esprit du seigneur vient pour rendre libre l'esprit du seigneur vient pour rendre libre l'esprit du seigneur je suis en train d'envoyer la liberté dochaka brondéche karama la liberté de l'esprit de Dieu dans les ondes, la liberté de l'esprit de Dieu dans les ondes, la liberté de Jésus, la liberté de Jésus. Là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Alors je suis en ces moments, Bronde chebreca envoyez l'esprit de la liberté, l'esprit de la liberté, la Chobre, la Chobro, partout Racha La Bible nous dit que c'est l'onction. C'est l'onction qui brise le jungle. C'est l'onction qui brise le jungle. En ce moment, partout où il y avait les kilos. Partout où il y avait les kilos, si dans ta vie il y avait les kilos, si dans ta vie il y avait les kilos en ce moment, je veux que tu connectes ta vie avec moi. Je veux que tu te connectes avec moi. C'est par la foi que nous sommes en train de faire ce travail. Que pour la liberté par l'Esprit du Seigneur. Je suis en train de commander la liberté. La liberté. Là où il y a les kilos. La chonge ramonde ramoso ramoko. Là où il y a les Kilo partout où il y avait les kilos. En ces moments, en ces moments, par les noms puissants de Jésus, je suis en train de commander la délivrance. Je suis en train de commander la délivrance par les noms puissants de Jésus, par l'Esprit les du Seigneur. L'Esprit de Dieu est plus fort que tout. L'Esprit du Roi de Roi, l'Esprit de Yahweh l'Éternel. Il n'y a rien qui peut boucher. Rien ne peut bloquer la puissance de Dieu. Rien ne peut bloquer la puissance de Dieu que nous avons dans l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur... Est plus puissant que tout. Voilà pourquoi en ce moment, voilà pourquoi en ce moment, je veux que tu puisses recevoir la puissance de l'Esprit. Prie avec moi en ce moment. Proche Kamar. La Bible nous dit que c'est l'onction qui brise le jungle. L'onction de Dieu brise les jungle. En ce moment, je suis en train de prier pour ta vie. Que le jungle. Puisse être brisé. Le kilo de Satan puisse être brisé. Aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus, je suis en train de commander la charo et kenda romoko, l'onction de l'esprit, l'onction de l'esprit, l'onction de l'esprit. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Il n'y a pas de distance. La puissance de Jésus-Christ va descendre sur toi maintenant et briser les kilos. La puissance de Jésus va descendre maintenant sur toi. Pour briser le kilo, pour briser le piège, pour briser les choses que le méchant a mis par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. En ce moment, la des nous sommes en train de faire arrocher la me La présence de l'esprit du Seigneur. O Brenda, O Brenda, O Brenda, l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur, il n'y a rien qui peut bloquer la puissance de l'esprit de Dieu. Rien ne peut bloquer les mouvements de l'esprit de Dieu. La Bible nous dit la vérité, que là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. La présence de l'esprit de Dieu amène la liberté. Alors, si il y a des blocages, quelque part dans ta vie. S'il si y a des choses qui ne marchent pas quelque part dans ta vie, en ce moment, je veux prier avec toi. En ce moment, je veux prier avec toi. Il n'y a pas de distance en esprit. Oh, je suis en train de prier. Oh, la délivrance, la délivrance, le déblocage spirituel, le déblocage spirituel par l'esprit de Dieu, par l'esprit de Dieu, par l'esprit de Dieu, par Dieu. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Voilà pourquoi j'envoie l'Esprit du Seigneur sur toi. Sois touché par l'Esprit du Seigneur. Que l'Esprit du Seigneur son sur toi maintenant. Sois rempli par l'Esprit de Dieu. Sois rempli par l'Esprit de Dieu. J'envoie l'Esprit de Dieu sur toi. Romé Tenga Romoko. Nous sommes dans un rendez-vous spirituel. Nous sommes dans un rendez-vous spirituel. Le rendez-vous où l'Esprit du Seigneur est présent. Le rendez-vous l'Esprit du Seigneur est présent. Par l'onction de Dieu sur ma vie. Par l'onction de Jésus sur ma vie. J'ai le droit d'envoyer l'Esprit du Seigneur sur toi. Sois touché par l'Esprit de Dieu. Sois touché par l'Esprit de Dieu. Que les déblocages arrivent maintenant dans ta vie. Que les déblocages arrivent maintenant dans ta vie. Là où il y avait les choses à bloquer, j'envoie l'Esprit du Seigneur. J'envoie l'Esprit du Seigneur pour débloquer, pour débloquer. Il n'y a pas de kilos. Il n'y a pas de kilos devant le Dieu d'Israël. La Bible nous dit ceci. Rien est difficile pour le Seigneur. Rien. Et difficile pour Yahweh l'éternel notre Dieu. Il n'y a pas de cas difficile pour le Seigneur. Il n'y a pas de cas difficile pour Jésus-Christ. Oh beau et oh l'esprit du Seigneur. Je descends Kenda Tabo Shokoro. Oh prie avec moi en ce moment. Que l'onction de Jésus. Que l'onction de Jésus. Tombe de ta tête à tes pieds. Que l'onction de Jésus, que l'onction de Jésus tombe sur toi, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. En ce moment, je veux que l'Esprit du Seigneur te touche de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, par le nom puissant de Jésus. Au Brende Shebrenda Bo Ce soir, avant que nous terminions notre rendez-vous. Il Rabosuko, la liberté de Dieu va exploser dans ta vie. Avant que cet rendez-vous termine aujourd'hui, la liberté, la liberté de Dieu va exploser dans ta vie. Nous sommes, comme la Bible nous dit dans l'évangile, que nous sommes dans cette période où Jésus-Christ a dit il est venu proclamer le temps du faveur. C'est le tinton de faveur qui vient de Dieu. Cette faveur de notre Dieu, la faveur de Jésus, la faveur de notre Dieu. En ce moment, si tu te demandes comment est-ce que ces choses vont arriver dans ma vie, j'ai encore ceci, j'ai encore cela, j'ai encore cela. Oh, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que Jésus-Christ... Et celui qui entre dans nos vies pour fixer toutes choses. Voilà pourquoi je veux que tu pries avec moi. Prie avec moi. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te touche là où vraiment tu as besoin besoin d'être touché dans le coin de ta vie, là où tu as besoin du toucher du Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce coin-là que tu vas prier avec moi pour que le Seigneur, le Christ puisse toucher ta vie. Nous allons prier au nom de Jésus. Oh Yahweh, en ce moment. Oh Yahweh, papa, en ce moment, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier que tu puisses toucher tes enfants, que tu puisses toucher tes enfants, que tu puisses toucher tes enfants. Oh Reindamara, par l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur. Si tu si tu as un si-jeu de prière, tu peux m'écrire, tu peux écrire ton sujet de prière et on va prier pour toi en ce moment si tu as un sujet de prière écrit dans le commentaire je veux voir cela et nous allons prier ensemble par le nom puissant de jésus par le nom puissant de jésus au brenda au brenda chokromé Mesha. de jésus la puissance de dieu l'écriture que nous sommes en train de partager aujourd'hui est celui ci car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ. Enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà notre écriture de ce soir. Que je suis le bien-aimé de Dieu. Toi aussi, tu es le bien-aimé de Dieu. Parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Si tu crois... Dieu va te donner la vie éternelle. Alors la vie éternelle, c'est quoi La vie éternelle, c'est une vie qui ne peut pas être détruite. Quand tu as la vie éternelle, on ne peut pas te détruire. Personne a, depuis que Satan... A commencé ce que j'ai dit à ceux qui étaient là dès le départ, que depuis que Satan a commencé à faire ses revolvers, depuis que Satan a commencé à faire ses couteaux, depuis que Satan a commencé à faire toutes ces histoires, il n'est pas arrivé à un point où il peut créer quelque chose hein, qui peut détruire la vie de Dieu. C'est ça la vie éternelle. Que Dieu est venu nous donner. Alors, je suis le bien-aimé de Dieu. Dieu, Dieu m'a beaucoup aimé. C'est pourquoi il a donné Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ puisse mourir pour moi. Pour que Jésus-Christ puisse mourir pour toi. Alors, voilà, tu es le bien-aimé de Dieu. Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Je suis... C'est pourquoi je veux que tu pries avec moi. Et que tu puisses prier ainsi. Prie avec moi ainsi. Moi aussi, je suis en train de prier avec toi. Dis à ton Dieu, Seigneur, tu as dit que quiconque croit, il va avoir la vie éternelle. Alors, en ce moment, quelle est la vie éternelle Commence à se manifester en toi. Que la vie éternelle, la vie de Dieu, on appelle ça les Zoé Live, commence à se manifester en toi. Alors nous sommes en train de prier au nom puissant de Jésus. Que la manifestation de la vie éternelle commence maintenant. Une vie qu'on ne peut pas détruire. Une vie qu'on ne peut pas amener en bas. Une vie éternelle. De la vie éternelle, c'est une vie de gloire. La vie éternelle, c'est une vie. Qui est en train de briller, c'est une vie qui est en train de briller au Brongo. Voilà cette vie que nous sommes en train de réclamer maintenant. Nous sommes en train de réclamer, ce que Jésus-Christ est venu nous donner. Voilà ce que je prie pour toi, que la vie éternelle, que la vie de Dieu commence à se manifester en toi, que une une vie une vie qu'aucune que, qu maladie ne pourra détruire. La la vie de Dieu ne peut pas être détruite par le maladie. Il n'y a aucune maladie qui peut venir et détruire la vie de Dieu. Oh, rappelez-vous, rappelez-vous qu'ils ont tué Jésus. Ils ont tué Jésus. Ils ont tué Jésus. Et après trois jours, qu'est-ce qui s'est passé Quand ils ont tué Jésus, après trois jours, jours jésus christ a été ressuscité c'est ce qu'on appelle la vie de la résurrection alors c'est on nous dit qu'est ce que la bible nous dit la bible nous dit ceci l'esprit qui a ressuscité jésus christ d'entre les morts et l'esprit qui est en train d'opérer en nous cet esprit quand jésus christ était dans le tombeau l'esprit était entré là dans le tombeau pour réveiller encore Jésus. L'esprit là qui a ressuscité Jésus, c'est l'esprit que nous avons reçu quand nous avons cru en Dieu. Tu es enfant de Dieu. En étant en En étant enfant de Dieu, cet esprit-là est en train de marcher en toi. Voilà, je vais prier en toi pour toi en ce moment. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi, commence à tourner parce que beaucoup de gens ont reçu l'esprit de dieu mais cet esprit est entré en eux et cet esprit s'est endormi ils ont reçu l'esprit de dieu mais l'esprit de dieu est en train de dormir en eux rappelez vous la bible nous dit que réveille-toi toi qui dors est ce que tu es en train de dormir ou bien tu es réveillé. Est-ce que tu es en train de dormir ou bien tu es debout? Voilà c'est pourquoi je vais prier en ce moment pour toi. Par le nom puissant de Jésus, je suis en train de prier pour toi que l'onction de Dieu, l'onction de Dieu qui renouvelle les choses. L'onction de Dieu qui renouvelle la vie. L'onction de la puissance de Dieu. Que cette onction entre en toi pour réveiller ta vie. Que cette onction entre en toi maintenant soit touchée maintenant. Soit touché maintenant par l'onction puissante de jésus soit touché maintenant par l'onction puissante de jésus que l'onction de jésus entre en toi que l'onction puissante de jésus entre en toi que l'onction de jésus réveille ta vie partout où tu dormais là où chez les choses qui sont venues pour te faire dormir les choses qui sont venues pour te faire dormir en ces moments je je suis en train de commander le feu de dieu de monter en toi je commande le feu de dieu de monter en toi que le feu de dieu monte en toi que le feu de dieu monte en toi pour que tu puisses être réveillé mon chanda de je commande le réveil de ta vie je commande le réveil de ta vie toutes les choses de ta vie qu'on a fait endormir toutes les choses de ta vie qu'ils ont mis des histoires en haut pour faire dormir toutes les endroits de ta vie, tout le plan de ta vie qui sont en train de dormir en ces moments. Oh, ce soir, par l'onction de Dieu, par l'onction de Dieu, je commande à ces choses de commencer à se réveiller maintenant. Je commande les réveils spirituels dans ta vie. Je commande le réveil spirituel dans ta vie. Que les choses de ta vie qui dormaient, l'homme intérieur ton homme intérieur qui dort, qui dort, tout ce qui dort en toi, puisse se réveiller maintenant par l'onction puissante de Jésus. Par l'onction puissante de Jésus, j'envoie la puissance de Jésus sur ta vie. J'envoie la puissance de Jésus sur ta vie. Que le réveil spirituel commence. Que le réveil spirituel commence. Que le réveil spirituel commence dans ta vie maintenant. Que le réveil spirituel commence. Dans ta vie maintenant. Que le réveil spirituel commence maintenant. Que le réveil spirituel commence maintenant dans ta vie. laisse Il est temps. Il est temps que le géant qui est en toi puisse se réveiller. Il est temps que le géant qui est en toi puisse se réveiller. Il est temps que le géant qui est en toi puisse se réveiller. Au Brende Shebra Moroshima, rappelez-vous l'histoire de David. Rappelez-vous l'histoire de David. David était un petit garçon. Quand Goliath est venu pour insulter... Toute la maison d'Israël. David était un petit garçon. Et Goliath, le géant, était en train d'insulter toute la maison d'Israël. David, lui aussi, pouvait avoir peur, comme tous les gens qui avaient peur. Saoul avait peur. Le grand frère de David avait peur. David, lui aussi, pouvait avoir peur. Mais qu'est-ce que David a dit? Il a dit à Goliath. Je vais venir contre toi par les noms de mon Dieu. Les noms de l'éternel, le nom de l'éternel était devenu la force qui est venue dans David pour le rendre fort. Quand David a utilisé les noms de l'éternel, bien que Goliath était géant, David était devenu plus grand, plus géant que Goliath. Voilà en ces moments. Voilà pourquoi en ce moment, je veux que là où tu es, tu vas prier. Pendant que je prie pour toi, toi aussi tu vas prier. Tu vas prier et dire Seigneur, par le nom de l'Éternel, je veux que les géants qui viennent à moi puissent se réveiller. Ce n'est pas le temps pour toi d'avoir peur. Ce n'est pas le temps pour toi qu'on puisse te faire peur, non. Que les géants qui ont en toi puissent sortir. Nous allons prier au nom de Jésus. Oh Yahweh en ce moment. Yahweh en ce moment. Goliath. Le Goliath qui nous a fait peur. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Le Goliath qui nous a fait peur. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire c'est fini. Nous sommes en train de dire c'est fini. On ne va pas avoir peur des Goliath. Ton peuple, ton peuple, les gens qui sont en train d'écouter les sons de ma voix en ces jours ici, nous sommes en train de déclarer nous n'avons pas peur des géants. Nous n'avons pas peur des géants à cause du nom de l'éternel. Le nom de l'éternel, éternel est notre Dieu. Éternel est notre Dieu, le Dieu des espoirs. Éternel est nos armées. Éternel est nos armées. Éternel est notre Dieu, le Dieu des espoirs. Le Dieu le plus fort alléluia le Dieu qui nous rend qui nous rend grands et géants plus géants que les géants de ce monde par le nom puissant de jésus. par le au... nom puissant de jésus. par le nom puissant de jésus. je suis en train de déclarer la puissance de jésus sur toi. en ce moment, touche brava ta vie qui dormait en toi. la puissance de dieu qui dormait en toi. les géants qui étaient en toi et qui dormaient. aujourd'hui, je te commande de te réveiller. réveille-toi, toi qui dors. Par le nom puissant de Jésus. Réveille-toi, toi qui dors. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train de progresser. Romé, Krinda, Brumdeshinda. de Shinda. Par le nom de l'Éternel. Parle nos puissants de l'Éternel. C'est l'onction de Dieu qui fait le travail. Oui, Shenda Brondo, même c'est soi aussi. L'onction de Dieu va faire le travail. Il y a l'onction Lo de miracle ici. Il y a l'onction du salut ici. Il y a l'onction de la liberté ici. Ici, il y a l'onction, l'onction qui change le vie, l'onction qui change le vie. Voilà ce que je suis en train de commander dans ta vie. Voilà ce que je suis en train d'envoyer dans ta vie. Partout où il y avait le chien, je commande le chien de tomber. Partout où il y avait les kilos, je commande les kilos de tomber. Partout où il y avait la peur, en ce moment, je. En ce moment, si tu te retrouves dans cette catégorie, je veux que tu pries avec moi. Quel esprit de peur. L'esprit des, des démons de la peur qui vient dans la vie des gens, même la vie des enfants de Dieu pour le faire peur. Que ces démons voient partir. Vous savez, le démon de la peur a tué plus de gens que même la maladie des coronavirus. Voilà, c'est pourquoi en ce moment, nous allons prier. Je vais prier pour ceux qui sont dans ces cas où il y a la peur dans leur vie. Je suis en train de prier au nom puissant de Jésus. Je viens contre le démon de la peur par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je viens contre les démons de la peur maintenant. Je suis en train de les lier. Je suis en train de lier les démons de la peur. Toi, démon de la peur. Tu n'as plus de force. Je t'ai lié au nom puissant de Jésus. Je t'ai lié à toi, démon de la peur. Je viens contre toi, démon de la peur. Je suis en train de te lier. Par le nom puissant de Jésus. Je suis en train de te lier. Toi, démon, démon de la peur. Tout est forteresse de Satan. forteresse reste de la peur. Dans ta vie je le brise au nom de jésus tous les forteresses de la peur je le brise au nom puissant de jésus tous les forteresses de la peur je le brise au nom puissant de jésus tous forteresses de la peur je le brise par le nom puissant de jésus par le nom puissant de jésus je lis les démons de la peur je lis au nom de jésus les démons de la peur le démon de la peur dans toutes ces dimensions, en ces moments, sur, dans la vie des gens qui sont en train d'écouter ma parole maintenant, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur YouTube, en ces moments, par l'onction puissante de Jésus, je suis en train de lier les démons de la peur et je le jette dans le feu. Va dans le feu par le nom puissant de Jésus. Va dans le feu par le nom puissant de Jésus. Va dans le feu. Par le par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Oh, Brenda Chobrondo Remenda. Il n'y a pas de distance en esprit. La puissance de Dieu. L'onction de Dieu sur moi. C'est l'onction de Dieu qui vient dans ta vie. L'onction de Dieu sur moi. C'est l'onction de Dieu qui est en train de visiter ta vie maintenant. Oh, nous sommes en train de progresser. Par le nom puissant de Jésus Christ. Brenda Omeche Kerama Sobrondo. Chez Brenda Romenda, par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je vais prier pour un, un groupe de gens maintenant. Je vais prier pour un groupe spécial de gens. Il y a les gens parmi nous. Tu as vu dans tu as eu de rêves. Dans tes rêves, où on est en train de voler ton argent? Où on est en train de voler, euh, on vole ton argent, on vole, euh, on vole ton porte-monnaie. Dans tes rêves, tu vois qu'on on est en train de voler ton porte-monnaie. Je vais prier pour toi maintenant. Obrenda, brenda roboshe, Karama. Je viens contre les voleurs. Je viens contre les voleurs. Que ça soit la sorcellerie, que ça soit des mondes de n'importe où, que ça soit les ennemis, que ce soit soit d'où vient cet esprit du vol contre ta vie. Je le lis maintenant par le nom. De Jésus, j'envoie le feu contre le voleur, le voleur de tes finances. J'envoie le feu contre le voleur, j'envoie le feu contre les voleurs. Par les nom puissant de Jésus, par les noms puissants de Jésus, j'envoie le feu contre le voleur. Tout voleur qui est venu pour voler tes finances, tout voleur qui est venu dans tes rêves pour voler ton sac, voler ton porte-monnaie. En ce moment, la Bible nous dit, les, la parole de Dieu court avec une voleur rapide. Nous, je suis en train de les arrêter maintenant par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci, quand un voleur est arrêté, le voleur c'est Satan, quand un voleur est arrêté, il va payer cette fois. Toutes les choses qu'il a volées. En ce moment, je suis en train d'arrêter les voleurs. L'onction de Dieu sur ma vie. J'ai l'onction de Dieu, l'onction de Dieu pour arrêter le voleur. Par le nom puissant de Jésus, j'envoie les anges de Dieu. J'envoie les anges de Dieu, les anges de notre ministère, les anges du ministère. Je les envoie contre tous les camps de l'ennemi, contre les voleurs, contre les brochets andarekara. Je brûle tout le plan du voleur. Je brûle tous les plans du voleur, tous les plans du voleur, tous les plans du voleur contre ta vie. Tout est au Je suis en train d'arrêter le voleur dans son travail. En ce moment, par l'onction de Jésus, par l'onction de Dieu sur ma tête, j'envoie le feu. Contre le voleur le voleur qui est venu contre ton sac le voleur qui est venu contre ton porte-monnaie le voleur qui est venu contre ton argent en ce moment j'envoie le feu de dieu contre les voleurs je l'arrête dans son travail je brûle je brûle les voleurs je l'arrête au bronze de chèque Sois lié par le nom puissant de jésus Sois lié Sois ligoté. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je viens t'arrêter, Satan. Je bronde à Toute autorité et toute puissance nous a été donnée par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, j'arrête le voleur. Par le nom puissant de Jésus, je l'arrête. Je les lis au nom de Jésus. Je les lis au nom de Jésus. J'ai dit en ce moment. Finis avec ton travail. Finis avec ton travail par le nom puissant de Jésus. Tu n'as pas le droit de voler les histoires des enfants de Dieu. En ce moment, tout ce qu'on t'a volé, je commande aux anges de Dieu de te le ramener. Toutes les choses qu'on t'a volées, toutes les choses que l'ennemi est venu et a volées, tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Dans ta vie, en ces moments, j'envoie les anges de Dieu récupérer tes histoires. J'envoie les anges de Dieu. La Bible nous dit dans les livres de Hébreux. Que les anges sont les servants de Dieu qui travaillent avec nous dans le ministère. Ce sont le ministère de le, les, les serviteurs de Dieu dans les services de ceux qui sont appelés dans le salut. Si tu es dans le salut de Dieu, les anges de Dieu travaillent dans ta vie. Les anges de Dieu travaillent dans ta vie. En ce moment, j'envoie les anges de Dieu pour travailler pour toi, pour travailler pour toi. Et reprendre tout ce que les démons ont volé les démons sont venus voler contre toi les démons sont venus voler tes histoires les démons sont venus voler ton argent les démons sont venus voler ta santé les démons sont venus voler ta paix les démons sont volés Voler les choses que ton héritage, les choses que Dieu t'a données. Tu crois que Dieu ne va pas envoyer ses serviteurs, les anges, pour travailler pour toi. N'est-ce pas, je t'ai dit Voilà l'écriture que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai voulu prendre cette écriture. La Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a aimé, toi, beaucoup. Qu'il a donné Jésus-Christ pour qu'il puisse mourir pour toi à la croix. Dieu t'a aimé beaucoup. Pour que il, a, il, a, il t'aime beaucoup. Il donne Jésus pour que Jésus puisse mourir pour toi à la croix. Tu crois que Dieu va refuser d'envoyer les anges dans ta vie? Non, 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 non. Tu as un prix devant Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Tu es enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es héritier ensemble avec Jésus. Jésus est enfant de Dieu. Il est l'unique fils de Dieu seulement dans les livres de Jean, Marc, Luc et Matthieu. Dès que les livres de Actes commencent, Jésus-Christ a... N'est plus le fils unique de Dieu. En ce moment-là, il est devenu le grand frère de beaucoup de petits frères et de petites sœurs. Tu es de la famille de Dieu. Ton grand frère, c'est Jésus. Tu es héritier. Les choses que Jésus a, toi aussi tu les as parce que tu es enfant de Dieu. Voilà pourquoi les livres de Hébreux 2 nous dit que les anges sont le serviteur de Dieu. Que Dieu a envoyé pour servir tout celui qui va croire à Dieu, tout celui qui va entrer dans le salut, tout celui qui va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les anges de Dieu vont venir travailler dans sa vie. Alors, voilà un peu, je voulais éclaircir cette écriture parce que beaucoup de gens ne croient pas à ces choses. Parce que beaucoup de gens, je sais que nous sommes en train d'expliquer et nous sommes en train de prier ensemble pour que la foi de tout le monde puisse augmenter. Parce que la Bible nous dit ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous dit encore ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que on entend vient de la parole de Dieu. Alors c'est quand tu écoutes la parole de Dieu. C'est quand tu écoutes la bonne parole de Dieu, c'est quand tu vas avoir la foi de toutes ces choses. Alors, nous avons arrêté le voleur qui est venu voler contre toi. La Bible nous dit dans les livres des Proverbes que quand un voleur est arrêté, nous connaissons que Satan c'est le voleur, quand un voleur est arrêté, il doit payer cette fois les choses qu'il a volées. Voilà pourquoi en ce moment, je vais prophétiser sur ta vie. Je vais prophétiser sur ta vie. Toutes les choses que Satan a volées, toutes les choses que l'ennemi a volées, en ce moment, je vais prophétiser. Prophétiser. Je veux prophétiser dans ta vie que ces choses puissent revenir. Les choses que le Seigneur t'a données, que le méchant a volé. Oh et Kenda Robende chez Brenda. Oh le méchant t'a volé beaucoup de choses. Le méchant t'a volé la joie. Le méchant t'a volé la santé. Le méchant t'a volé la paix. Le méchant t'a volé tes finances. Le méchant t'a volé beaucoup de choses. En ce moment parlons de Jésus sur ma vie. Je suis en train de commander le retour de tout ce que on t'a volé, tout ce que les voleurs a volé. La Bible nous dit que le diable, le voleur, vient seulement pour voler égorger et détruire. En ce moment, nous avons Jésus, la présence de Jésus dans ta vie, la présence de la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus Christ, c'est la parole. La des la parole de Jésus et la présence de Dieu lui-même. Alors cette parole, je t'envoie la parole de Dieu. Je prophétise sur toi la parole de Dieu. Tout ce que l'ennemi a préparé contre toi. Tout ce que l'ennemi a préparé contre toi. Je le déclare maintenant vain et sans effet. Au oh, bras, au okay, abro, à bras. Oh, je suis... Nous allons lire. C'est bien de lire toujours. Nous allons lire ensemble. Esaïe 54 du 7. Esaïe 54 du 7 nous dit. Toute arme contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est à toi de la condamner. C'est à toi de déclarer vaine et sans effet. Voilà en ce moment, je déclare. Le travail du voleur vaine et sans effet dans ta vie. Je déclare tout ce que les méchant a préparé contre toi, tout ce que les méchant a fait contre toi. Je le déclare vain et sans effet. Je déclare vain et sans effet tout le travail de l'ennemi. Je déclare vain et sans effet tout le travail de l'ennemi. Je le commande de brûler. Je le commande de brûler. Je le commande de brûler. Je commande tout le travail de l'ennemi contre toi. Je brûler. Je commande à tout le travail de l'ennemi contre ta vie de brûler. La Bible nous dit, toute langue qui s'élèvera contre toi, c'est à toi de la condamner. En ce moment, je suis en train de condamner toute langue de Satan. Toute langue de Satan qui s'est levée contre moi. Toute langue de Satan qui s'est levée contre toi. En ce moment, en ce moment. Tu vas la condamner. Tu vas condamner toutes ces langues. Tu vas condamner toutes ces langues. En ce moment, tu vas condamner toutes ces langues. Tu vas les condamner par le nom puissant de Jésus. Nous allons condamner, nous allons condamner par le nom puissant de Jésus. Tout ce que Satan a préparé contre toi, nous les déclarons vain et sans effet. Nous le déclarons vain et sans effet par le nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a préparé contre ta vie tout ce que l'ennemi a préparé contre ta vie, nous les déclarons vain et sans effet. Nous les déclarons vain et sans effet. Nous sommes en train de commander à Satan d'échouer. Nous sommes en train de commander à Satan d'échouer. Tu échoues en ce moment. Tu échoues en ce moment. Recher. Au Brende Chebranda, au Brende nous te commandons, Satan, échoue dans tes plans, échoue dans tous tes plans. Nous déclarons le travail de Satan, vain et sans effet, Vain et sans effet, par le nom puissant de Jésus-Christ. Au Brende Chebranda, je prie pour tous ceux qui sont à l'écoute maintenant. Je prie pour ceux qui sont sur Facebook, tous ceux qui sont sur YouTube, qui me regardent en ce moment. Je prie pour ta vie, l'onction de Dieu sur ma vie. Je suis en train de l'envoyer sur toi. Toutes est chaîne que Satan a mis contre ta vie, je brise. Tout est le plan de Satan contre ta vie, je brise. Par le nom puissant de Jésus, je déclare ta délivrance. Je déclare ta liberté. Il y a une chose spéciale que je veux qu'on prie maintenant. En ce moment, je veux que tu pries pour, avec moi. Prie en ce moment pour ton cerveau. Tu vas prier pour ton cerveau. Tu vas prier pour ta tête. Tu vas prier pour ta façon de réfléchir. Tu vas prier pour ton cerveau. Tu vas prier pour ta tête. Tu vas prier pour ta façon de réfléchir. Pour que... Tout le blocage de Satan dans ta tête puisse exploser. Moi aussi, je priais pour toi maintenant. Oh, papa, nous sommes en train de prier. Nous prions en ce moment pour délivrer ces deux têtes. Délivrons ces deux têtes. Tout est le blocage dans le cerveau de tes enfants. En ce moment, je suis en train de le briser. Je suis en train de briser tout blocage dans le cerveau de tes enfants. En ce moment, je suis en train de briser. Tout blocage dans les cerveaux de tes enfants, je suis en train de les briser par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par l'autorité que je en Jésus, par l'autorité que je en Jésus. Je suis en train de briser, je brise, je brise, je brise tous les blocages dans les cerveaux des enfants de Dieu, tous les blocages, tous les blocages, tous les démons de blocages qui sont entrés dans les têtes des enfants de Dieu pour que leurs réflexions ne puissent pas. Tourner pour que leur cerveau ne puisse pas tourner, en ce moment, je le brise, je le brise, au nom de Jésus, je le brise, au nom de Jésus, reçois la délivrance de ton cerveau maintenant, tout tes blocages qui étaient dans ton cerveau, que quand tu voulais réfléchir, ton cerveau te faisait mal, en ce moment, je le brise, au nom de Jésus, en ce moment, je le brise, au nom de Jésus, je brise Moshe Karenda Okrondo, par le nom puissant de Jésus. Tout ce que Satan a travaillé dans ta tête, tous les mensonges, tous les sacs de mensonges de Satan dans ta tête. En ce moment, je le commande de brûler. Je le commande de brûler. Je le commande de brûler. Je le commande de prendre feu et de brûler par le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les chaînes qu'on a mis sur ton cerveau. Toutes les chaînes qu'on a mis tout sur ton cerveau. Je le commande de... Tomber immédiatement. Toutes les chaînes qu'on a mis sur ton cerveau, je le commande de brûler immédiatement. De Boche je commande la liberté de ton cerveau. Otakambo, je commande la liberté de ton cerveau. En, à partir de ce moment, tu vas voir clair. Oh, Chebranda, au oh, Brenda, tu vas voir la vie en couleur. À partir de ce moment, je commande à ton cerveau de voir en couleur. À partir de ce moment, je commande à ton cerveau de voir clair. À partir de ce moment, toute intelligence qu'on t'a volée, je commande de revenir maintenant. Toute intelligence qu'on t'a volé, je le commande de revenir maintenant. Ton cerveau, broche branda broche branda, Ton cerveau va tourner comme le cerveau d'un génie. Tes idées, les idées qu'on t'a volées, je prophétise sur toi maintenant les idées qu'on t'a volées. Je commande les bonnes idées qui étaient dans ton cerveau qu'on a volé, je les commande de revenir. Je les commande de revenir. Le rêve qu'on t'a volé, le rêve qu'on t'a volé, je commande de revenir dans ta tête immédiatement l'onction de jésus christ sur moi je commande les rêves qu'on t'a volés de revenir dans ta tête maintenant tout est bloqué dans ton cerveau je commande de prendre feu je commande tout blocage dans ton cerveau de prendre feu immédiatement. Je commande la liberté de ta tête. Je commande la liberté de ta tête. Je commande au oh, chabron, au oh, brochon, le feu de Dieu. Je vois le feu de Dieu qui brûle sur ta tête. Je vois le feu de Dieu qui brûle sur ta tête. Il y a l'explosion. Au Il... oh, chabron de chabrondeca. Tu vas voir clair. Je t'ai dit par le nom puissant de Jésus, le Dieu que je sers. À partir de ce moment, tu vas voir clair. Tu vas voir ta vie claire.

pour la grande délivrance que tu as opéré aujourd'hui. Oh, merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci beaucoup pour ta présence, Saint-Esprit. Tu es au tour remando. Oh, cher Saint-Esprit, tu es toujours au rendez-vous. Cher Saint-Esprit, tu es toujours au rendez-vous. Cher Saint-Esprit, tu es toujours au rendez-vous. Oh Brenda Shekaramo cher Saint-Esprit, tu es toujours au rendez-vous. Oh merci pour l'onction. Mer oh, oh Brenda, oh Brenda Chokroko. merci pour l'onction que tu as libérée ce soir. Merci pour l'onction que tu as libérée ce soir. Hmm. Oh Brenda Chokromenda, Merci pour l'onction, Esprit du Seigneur, Esprit, Esprit de Dieu, merci pour l'onction, merci pour l'onction que tu as libéré ce soir. Merci pour l'onction, Seigneur. Merci pour cette onction que tu as libéré ce soir. Oh Boche, carabonde, carabonde Baramondo. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, nous sommes en train de te dire merci. Merci pour cette vent. Merci pour cette vent. Merci pour cette vent qui a circulé ce soir. Merci pour le vent que tu as fait circuler ce soir. Oh, notre prière de ce soir est terminée. Avant de partir maintenant, je veux vous bénir. Je veux déclarer la bénédiction prophétique sur vos têtes. Oh, ouvre ton cœur pour recevoir la bénédiction de ce soir. Que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu du puisse bénir ta vie. Que la délivrance du Dieu de Jacob vienne sur ta tête. Que la bénédiction de Yahweh vienne dans ta vie. Que le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, délivre ta vie de toute la chaîne de Satan. De toute la prison de Satan. Que la bénédiction de Dieu vienne sur toi. Que la bénédiction de Yahweh vienne sur toi et cause ta vie d'exploser. Que la bénédiction de Jésus descende sur toi maintenant. Là où il y avait la malédiction, je fais descendre la bénédiction. Je fais descendre la bénédiction maintenant. Là où il y avait la malédiction, j'envoie la bénédiction. Bénédiction maintenant. Reçois la bénédiction de Jésus. Reçois la bénédiction de Jésus. Reçois la bénédiction du Tout-Puissant. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis par les noms puissants de Jésus. Oh chez Oh je suis béni par ces temps que nous avons passé ensemble. Et je crois que vous avez été aussi béni alors si tu n'es pas encore abonné à ma page je voudrais que tu puisses être abonné à ma page facebook pour ne pas rater chaque fois que je suis en live que tu puisses le regarder directement et aussi pour ceux qui regardent sur youtube si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne youtube J'aimerais que tu puisses le faire maintenant pour que qu'on puisse être en contact chaque fois. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. Alors, en étant ensemble chaque fois, tu pourras être le premier à recevoir ce message prophétique que le Seigneur met dans nos cœurs. Alors, mes vidéos sont là sur YouTube. Tu peux continuer à regarder. Aujourd'hui, pour ce soir, pour cette live, nous terminons ici. Merci à tous ceux qui sont, qui ont, qui ont été là du début à la fin aujourd'hui avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.